Demain nous appartient, spoilé, fin de Georges et victoire sur TF1. En cette rentrée 2021, Georges a vu son destin basculer avec la double attaque cardiaque de victoire dans Demain nous appartient. Maïel El Hajjaoui se confie sur l'évolution de l'intrigue, baptisée Cœur brisé, sur TF1. Au fil des années, Georges s'est imposé comme l'une des figures populaires de Demain nous appartient. Le policier a vu son destin basculer à la rentrée 2021 sur TF1. Sa compagne, Victoire, a été victime d'un double arrêt cardiaque. Georges ne croit pas Victoire. Après avoir subi une greffe de cœur, Victoire, Solène Hébert, a eu de terrifiantes visions. Elle s'est laissée convaincre par Samuel, Axel Kinner, à l'idée d'être assaillie de souvenirs appartenant à son donneur. Seul problème, son compagnon, Georges, Maïel El Hajjaoui, ne croit pas à la thèse de la mémoire cellulaire. Victoire pète un câble et c'est sur Georges que ça va retomber parce qu'il partage sa vie, parce qu'il la met face à ses contradictions et qu'avec elle, il n'y a pas de gêne. Il est tout à fait capable de lui dire quand elle déconne, a réagi Maïel El Hajjaoui auprès de nos confrères de Téléstar. Un couple sur la sellette. Si Victoire et Georges ont déjà eu des conflits dans le passé, de l'aveu même de Maïel El Hajjaoui, l'intrigue, baptisée Cœur brisé, va donner lieu à une autre tournure. Ça va aller très loin. Il y a à avoir des tensions, des frictions. Georges ne déchiffre plus Victoire. Elle lui parle de vision, mais lui, il ne voit rien, il ne comprend rien. Il se demande si elle ne serait pas en train de devenir complètement maboule. Même si Victoire est la plus jolie maboule de France, leur couple va traverser de grosses turbulences, a détaillé le héros de Demain nous appartient. Georges va se battre pour son couple. Dès lors, les fidèles téléspectateurs de Demain nous appartient vont-ils assister à la fin d'un des couples phares du feuilleton quotidien, diffusé par TF1 dans le carrefour stratégique de l'Access Prime Time depuis l'été 2017? Il va se passer beaucoup de choses, a prévenu Maïel El Hajjaoui. Ce qui est certain c'est que Georges va se battre pour son couple, a conclu le comédien, dont la suite des aventures inédites est à découvrir du lundi au vendredi à partir de 19h.